square. La RDC ezali kobongate parce que c'est un amalgame de plusieurs peuples. Ba Congo peuple mususu, ba Luba peuple mususu, Bangala peuple, ba Lobaka langue mususu, pe mentalité mususu. C'est pourquoi ça ne se développe pas. Mais nous allons nous poser la question de savoir pourquoi le Congo belge était prospère. Natango Congo belge, Bangala, ba Luba. Parce que la mentalité de la Congo est semblable à Mindele. Et dans le temps où le Congo belge, ça marchait, le Congo belge, c'était un paradis parce que il y avait une race supérieure, les Belges, plus une race supérieure, les Congo, qui s'associait et qui dirigeait. Toute l'administration du Congo belge était maintenu par des Belges et des Bakongo, deux races supérieures. Tandis que les Bangala, les Belges disaient que ce sont des brutes qui sont tout bons pour brutaliser les indigènes du Congo belge. On doit les mettre dans l'armée. Donc l'administration, c'était les Belges et les Bakongo. Les finances, c'était les Belges et les Bakongo. La médecine, c'était les Belges et les Bakongo. Mais l'armée, c'était les Bangala. Aujourd'hui, indépendance. Pour cochonner les Congo belges, les Belges vont changer le Bango. Balongoli Kasavu pour un bon gestionnaire, va remplacer Mobutu un Mungala voleur. Et Mobutu Mokonzi, à un stade devant le peuple na Yalbi, attaque au Yibaka. Kasi Yiba Moke. Mais Moke, c'est combien par rapport à quoi? Parce que 1 million. Ils ont un goût par rapport à 1 milliard. Attaque au Bayibaka, Kasi Yiba Moke. Mokonzi, Mobimba qui ne sent pas la gravité, mais la mentalité à Bangala, Kouyiba, ils n'ont rien. Par conséquent, Aoulou Banaye. Attaque au Bayibaka, Kasi Yiba Moke. Dans le royaume du Congo, l'empire du Congo, Soko Yibi va enterrer au vivant à marché. Mais Kuna n'est pas Bangala, Soko Yibi et Lombe. Différence de mentalité. Ba Belge, tant que Bazako disait Mboko, il considérait le Congo belge comme leur propriété privée. Et alors il voulait que ça marche bien. Alors l'administration, ba Congo, n'a pas Belge. Force publique, Bangala. Donc comme indépendant, administration, il y a un Mboko Kassau, ba Longo, un Mboko Kassau, ba Pisango, na Mobutu Mungala. Et Mobutu qui na stade à l'objet attaque au Bayiba Kayiba Moke. Mais il y a un lobby qui Moke par rapport à combien? Parce que 1 million de dollars, ils allaient Moke par rapport à 1 milliard de dollars. Mais ce qu'on dit 1 million, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vague. Attaque au Bayiba Kayiba Moke. Donc chef a passé ordre au Yiba. Mais ils allaient Moke. C'est très grave. Aujourd'hui, on a une différence de mentalité. Bakongo, Bakongo, ils disent qui aime y voit, qui est au kavuako. Ça veut dire le mien, c'est ma propriété, mais le nôtre n'est pas ma propriété. Vous avez la différence de mentalité? Oyibi et pas Bangala, Bazoku, Misayo et Lombe, et pas Bakongo, on te dit que qui aime y voit, qui est au kavuako. Le mien, c'est ma propriété, mais le nôtre n'est pas ma propriété propre. Ce qui faisait que Kasavubu, quand il allait en mission, le surplus de frais de mission, tant que Zonga, à Zonga, il s'en a créé à l'État. Parce que Kasavubu, il s'en a créé, non? Salaire, il s'en a créé à Souka Sanza, il s'en a créé. Mais bon, il y a mission, il s'en a créé parce qu'il s'en a Addis Abeba. Pour Nalia, pour Namela. On a créé à Addis Abeba, dans l'aide à Meli, dans le monde où il y a frais de mission, et Zonga. Frais de mission, il s'en a créé à l'État. Azong ici ango, Bangala, Baluba, Baswahili, Balobi, Kasavubu, Azali, Yuma. Il fallait Aïba Mbongwana. Kasavubu, Azali, Yuma. Bolongolie, pour remplacer Mobutu, Misomakasindokite, eh bien, aïe na stade,
Abi atako ba yibaka. Me yiba moke. Mo konju mo bimba. Aujourd'hui, on a la différence de mentalité. Mais je vous dis que le Congo belge marchait très bien. C'était un petit paradis. Pourquoi? Parce que l'administration était gérée par les Belges, qui étaient une race supérieure, les Bakongo, qui étaient une race supérieure, et l'armée, on l'a donnée au Bangala. Les États-Unis marchent, pourquoi? Mais il y a des peaux rouges là-bas, ils sont sous-développés. Il y a des noirs là-bas, ils sont sous-développés. Il y a des jaunes qui sont moitié-moitié. Mais pourquoi les États-Unis marchent? C'est parce qu'il y a une race supérieure aux États-Unis, les Blancs, et les Blancs imposent leur rythme aux Noirs, aux peaux rouges et aux jaunes. Donc les Noirs sont obligés de suivre le rythme des Blancs, les peaux rouges de suivre le rythme des Blancs, et finalement les États-Unis sont développés. À cause de toutes ces races qui ont suivi le rythme de la race supérieure, les Blancs. Bande Konangaï, Nazale Kouyeb Sabino, que Soki Bolobi que na RDC, Tokamata mentalité yabakongo, ya bon gestionnaire et doté de valeurs spirituelles et morales. To imposé en makasi na batu nyonzo. Crise kusira nango. Mboka yeko bonga nango. Soko bozui mokonzi moko mukongo a imposé bino na dictature na ye mentalité ya bakongo. Peto gérer mboka en fonction de mentalité supérieure ya bakongo. Les bakongo sont un peuple supérieur. Crise na RDC kusila. Mboka yeko bonga. Nengeza yako bonga na période coloniale. Soko ba kamati un mukongo qui a une grande fermeté, tukula ne mwanda se mse mukongo, bo kamati un mukongo, bo pesi e mboka, a dirigeango avec fermeté, suivant la tradition ya bakongo, a imposeango na batu nyonso, mboka yeko bonga nango. Mboka yeko bonga nango. Donc, les Belges savent ce qu'il faut faire pour mettre fin à la crise au Congo. Dommage que les Belges ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Sinon, les Belges, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Pourquoi Congo-Belge a tombé la malame? Parce qu'il y avait deux races supérieures qui dirigeaient le Congo-Belge. Ba Belge, une race plus développée, plus ba Congo, il tenait l'administration. Pourquoi les États-Unis sont développés? Pourtant, il y a des noirs là-bas, il y a des peaux rouges là-bas, il y a un peu de jaune là-bas. Les États-Unis sont développés parce qu'il y a une race supérieure là-bas, les Blancs, qui ont imposé à tout le monde leur rythme. Tout le monde est obligé de suivre le rythme des Blancs. Et finalement, les États-Unis sont développés. Donc, bande Kunangai, soki bolingi crise congolaise et si là, nazalo banabino te ke botia mukongo, c'est votre problème, c'est votre problème. Mais je vous préviens que mbokana mbino kubonga ngote. Ndenge na yebili baluba, ndenge na yengi bangala na baswahili, ekubonga ngote na mandate ya bino. Mais soki bolingi mbokana bino ebonga, bozongisa un kasavubu au pouvoir. A imposé bino mentalité ya bakongo. C'est une race supérieure. Et beaucoup moins Congo belge, et que bon anango. Mais, toko imposé mou Congo te, mais toko comparé ma kamboele kanaba étoile moussousou. Dans certaines étoiles, quand il y a trois races qui habitent une étoile, chaque race a son roi. Dans certaines étoiles, chaque race a son roi. Et leur planète est dirigée par ces trois rois. Ils forment un présidium formé de trois rois. C'est eux qui dirigent. Ils ont une décision ensemble et chaque roi a dicté à mon peuple naïf. Donc,
Ce que vous pouvez faire, vous devez éviter pour le moment d'avoir un président unique en RDC. Évitez un président unique. Dans le président Kabila, vous avez un président unique qui a pas Swahili. Mais bon, vous avez un président unique qui a pas Congo. Il y a un sacanaté. Il y a un Congo qui a mis ça là. Le gouvernement 48, le Congo a mis ça. Évitez d'avoir un président unique. Le 1 plus 4, c'est une demi-vérité. Bosala en sorte que Bakongo baza na président na bango, Baluba président na bango, Bangala président na bango, Baswahili président na bango. Et ces quatre présidents vont former un présidium. Bakosala bango quatre villas somptueux, comme les maisons blanches dans la cité du fleuve. C'est là qu'ils vont vivre et ils vont commander la RDC. Mais quatre présidents, pas un seul, s'il vous plaît, pas un seul. Bogotia Anani Moulouba, tribaliste. Bogotia Anani Mouswahili, trop tribaliste. Bogotia Anani Mungala, trop léger. Bogotia Anani Moukongo, mais Bino Bobo Iba Kongo. Beaucoup misa Kalumumba, beaucoup misa Bobo Iba Kongo. Alors, dans le Mina Bino Boye, Bopona, quatre présidents, Bakongo na président na Bango, Baluba na président na Bango, Baswahili n'a président, Bangala n'a président. Et ces quatre présidents vont former un présidium de la Confédération congolaise. Pour diriger, ils vont chaque fois être ensemble. Ba décider makambo emutu na mutu atindiango epai na ye. Ce que vous allez présidium ndenge wana, c'est un peu comme le 1 plus 4, mais un T, ça ne sert à rien. Vous ne devez pas avoir un président unique. Simplement un présidium. Il y a quatre grandes communautés. Chaque communauté aura un président et tous ces présidents travaillent ensemble. Il y a des étoiles qui fonctionnent comme ça. Alors, bino, moi ça n'a bino qu'on copie ma gamba poto. Bon, en Allemagne, bas dans le président, mais Allemagne, bino, moi ça va Allemagne. L'Allemagne, c'est un peuple qui a une même mentalité, qui parle une seule langue, qui a une seule culture. Ce n'est pas le cas de la RDC. C'est un amalgame de tribus aux mentalités diverses. Alors, Baluba, Bazali trop tribaliste, Baswahili, Bazali trop tribaliste, Bakongo, Bazali mieux. Bota la gestion à Kasavubu, Naya Mobutu, Naya Baswahili, Ezali différent. Bangala, Balandi, Bakongo. Bangala, Bazali tribaliste, Makazite. Donc, les Baluba très tribaliste, Baswahili très tribaliste, Bakongo, Bazakaba tribaliste, c'était. Et Bangala, Balandi, Bango. Mais Tolobi boye, le coup la boboya bakongo, parce que je vais l'accepter au boya bakongo. Tolobi te bo impose un président moukongo, mais bosa la boye. Bakongo na président na bango, banga la pe basu président, baluba président, baswahili président, et bosali présidium. Ces quatre présidents seront les membres du présidium qui dirige la République démocratique du Congo. Ça s'est fait dans certaines étoiles, ça marche. Et qu'on peut marcher par Nabino, et qu'on sauvegarder l'unité Nabino. Parce que le coup, vous allez connaître que la Bakongo est belle, Bakongo va commettre un peu de sabalou, on a RDC. Peace Square!